Merci d'être nombreux ce soir pour la conférence du jour. Bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Certains la connaissent déjà, bien. Donc on est très heureux ce soir d'accueillir Daniel Fischer, qui vient à nous présenter le livre issu de sa thèse, que vous allez voir sous différents exemplaires ce soir, qui s'intitule donc « Livre de Frédéric de Wittrich, un entrepreneur des savoirs » au XVIIIe siècle. Daniel Fischer est enseignant, il a d'abord enlevé dans le secondaire avant de devenir ensuite, je ne sais pas comment on dit maintenant, mais formateur à l'IUP, voilà, à l'Institut National Supérieur du Professorat de l'Éducation de l'Académie de Metz, et il est par ailleurs membre associé du laboratoire Arche de l'UNISPRA et directeur de la collection Graines d'Histoire aux éditions de La Nuit Bleue, et certains d'entre vous l'avez peut-être déjà vu à la soirée, au fait, puisqu'il a post-facé l'ouvrage qui a été présenté en fin d'année dernière, ici aussi à la médiathèque. Et le livre qu'il nous présente ce soir est donc la version remaniée de sa thèse de doctorat, soutenue sous la direction d'Isabelle Lagoulet à l'Université de Strasbourg. Et sans plus attendre et sans plus rentrer dans le détail, puisque nous devons le faire tous les deux, je leur passe la parole, donc à Daniel Fischer et à Marie Hassler, que je remercie beaucoup d'être venus ce soir pour co-animer la soirée en sa compagnie. Et à un moment, Daniel Fischer vous présentera un ouvrage qui est issu des collections de la médiathèque protestante. Voilà, je ne vous en dis pas plus et bonne soirée. Merci, bonsoir à tous. Nous allons pouvoir échanger et puis surtout écouter Daniel nous présenter son travail, ses méthodes, mais j'aimerais juste revenir sur quelques points de sa carrière universitaire. Alors, Daniel a commencé très rapidement à s'orienter vers l'histoire moderne, déjà avec une maîtrise et un master qu'il a présenté en 2012, qui était consacré à l'histoire de l'Alsace au siècle des Lumières. Il a obtenu son agrégation en 2014 et a commencé à travailler avec Madame Laboulet déjà pour un master 2. Après l'agrégation, c'est justement Madame Laboulet qui lui a évoqué, présenté l'importance des archives de Reichshoffen, en tout cas qui lui a soumis l'idée d'aller y jeter un coup d'œil. Et c'est là qu'il a pu rencontrer ces ressources, la famille Wittrich et notamment M. Milon, qui s'occupe des archives. Et donc ce début a ensuite continué pendant 7 ans. C'était très bon. Alors la soutenance a eu lieu en juin 2021 au laboratoire Arche, laboratoire strasbourgeois. Aujourd'hui, Daniel est professeur agrégé à l'INSPE de Lorraine, membre également du CRUL au sein de l'Université de Lorraine. Et comme vous d'ailleurs, en fait, vous êtes membre du même laboratoire. Et suite à une soutenance exceptionnelle, vous avez été invité à publier votre travail, ce qui est donc le cas avec cet ouvrage qui est publié aux presses des mines. Et il s'agit donc d'un petit résumé de 386 pages contre 977 au départ. Voilà. Pour le cadre général de cette présentation. Alors sur l'invitation que nous avons pu voir pour la conférence, il y a un portrait très connu du coup. Et puis, en arrière-plan, la question, enfin le tableau de la Marseillaise. Hein. Et c'est vrai que c'est notamment pour ce tableau que qu'on connaît surtout Wittrich, en tout cas à travers ce tableau. Et pourtant, en ayant lu votre travail, en ayant suivi vos interrogations, je me suis posé la question suivante, est-ce que c'est vraiment le même personnage que celui de ce tableau et puis celui qui est sur cette couverture? Alors effectivement, la ressemblance entre la gravure que vous voyez sur la couverture du livre et le célèbre tableau de Pils que tout le monde connaît, que tout écolier connaît, hein, Rouget de Lisle chantant la Marseillaise dans le salon du maire de Strasbourg en 1792, la ressemblance n'est pas parfaite, puisqu'en réalité Pils peint son œuvre en 1849, soit plus de 50 ans après les faits. Et il n'a jamais connu Wittrich, il n'a jamais rencontré Wittrich. Et Pils fait partie de ces grands peintres romantiques qui imaginent une nuit fiévreuse au cours de laquelle on aurait eu ces éclairs de génie qui ont conduit à la création de la Marseillaise. En réalité, Pils s'est appuyé sur le récit que Lamartine a fait dans l'histoire des Girondins de la nuit de la création de la Marseillaise. Mais Lamartine était également un auteur romantique,
davantage intéressé par l'élan de sa prose plutôt que de la réalité historique. D'ailleurs, le petit-fils de Philippe Frédéric de Dietrich était assez peiné de voir cette discussion, de voir cette présentation de la nuit de la Marseillaise dans l'œuvre de Lamartine, et donc il va frapper à la porte du poète en disant « Écoutez, quand même, dans votre histoire des Girondins, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'incorrections, à commencer par l'existence de filles de Dietrich qui auraient accompagné Rouget de Lisle chantant la Marseillaise, et Dietrich n'a jamais eu de filles, il n'a eu que des fils. » Deuxième erreur, ce n'est pas Rouget de Lisle qui chantait la Marseillaise, le premier, ce fameux soir d'avril 1792, mais c'était bel et bien le premier maire de Strasbourg, qui est non seulement le commanditaire de la Marseillaise, mais aussi son premier chanteur. Donc, pile ça, tout faux, mais malheureusement, l'image que tout le monde a en mémoire, c'est celle que nous trouvons dans tous les manuels scolaires, c'est-à-dire le tableau de 1849, qui représente de manière très imparfaite une réalité de 1792. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est tenter de me défaire de tout ce que le roman national, la grande histoire, Stefan Zweig, dans Les Très Riseurs de l'Humanité, raconte cette nuit de la même manière, mais il est influencé par les travaux de Lamartine. Et moi, donc, j'ai dû naviguer dans toute cette historiographie très romantique pour essayer de retrouver le vrai Philippe Frédéric de Dietrich, pas seulement celui qui a été pendant 2 ans maire de Strasbourg. D'ailleurs, effectivement, donc Thomas Guillemin, le conservateur de la bibliothèque qui nous accueille ce soir de la médiathèque protestante, et je l'en remercie, nous a sorti un exemplaire d'un discours que Dietrich a prononcé devant l'Assemblée des 300 échevins de Strasbourg. Vous savez qu'à l'époque, Strasbourg avait une constitution particulière, et révolutionnaire, Dietrich souhaitait que Strasbourg devienne une municipalité comme les autres, à la fin de l'année 1789. Et les Strasbourgeois, bien évidemment, n'avaient pas envie de perdre leurs privilèges. Donc, il est allé à l'Assemblée des 300 échevins, donc les 300 représentants les plus importants des métiers qui dirigeaient la ville, qui avaient la main sur les autorités du magistrat à l'époque, on ne parlait pas de municipalité, et il tente de les convaincre d'accepter ce saut dans l'inconnu, ce pari sur l'avenir, d'accepter de faire de Strasbourg une municipalité comme celle de Marseille, comme celle de Besançon, comme celle de Paris, puisque nous étions fin 89, 1789, pardon, quand je dis 89, pour moi c'est 1789, parce que je suis au 18e siècle. Donc pardon, je fais la précision. Et donc vous avez ce texte très important, le discours de Dietrich aux 300 échevins, dans les collections de la médiathèque protestante, et merci beaucoup de l'avoir sorti. Et la politique, et comment dit-elle la Marseillaise, ces 2 ans de la vie de Dietrich, en réalité, moi j'ai essayé de me plonger dans les 2 décennies qui ont précédé ces heures de gloire de l'histoire nationale et de l'histoire européenne, et j'ai essayé de retrouver le vrai Philippe Frédéric de Dietrich. Donc le portrait que j'en fais dans cette biographie intellectuelle est tout à fait différent de ce que vous avez peut-être pu lire dans tous les manuels scolaires qui vous présentaient ou qui commentaient le tableau de Pils et qui, lui, date du 19e siècle. Voilà. Merci. Vous avez utilisé 2 expressions là, sur lesquelles je voulais rebondir. Retrouver le vrai et parler de biographie intellectuelle. C'est vrai que ce n'est pas une biographie classique qui commencerait par la naissance, la formation du personnage jusqu'à la guillotine. C'est effectivement enfin, vous le verrez quand vous lirez cet ouvrage, c'est un cheminement à travers les choix du personnage, ses questionnements, ses ambitions. Il n'y a pas de reconstruction littéraire à posteriori. Comment est-ce que vous êtes parvenu à développer cette méthode et ce point de vue assez original, en fait, sur le travail bibliographique? En fait, j'avais lu un certain nombre de biographies intellectuelles qui ont été publiées dans les années 90, dans les années 2000, des biographies intellectuelles qui étaient en réalité davantage des biographies d'un intellectuel que des biographies intellectuelles. Et un historien qui a beaucoup publié dans les années 80-90 avait fait des essais de biographies intellectuelles de plusieurs des amis et confrères de Dietrich, notamment Lavoisier et Condorcet. Et je suis allé retrouver ces travaux de Jean-Claude Perrault,
et j'ai essayé de saisir les mécanismes de sa présentation. Et j'ai tenté moi aussi d'écrire une biographie intellectuelle plus qu'une biographie d'un intellectuel. Effectivement, écrire la biographie d'un intellectuel, c'est supposer une grande cohérence dans son parcours, du berceau jusqu'à la guillotine, comme vous l'avez très justement souligné. Et en réalité, faire cela, c'est bien sûr faire des choix et se comporter un peu comme un observateur tout-puissant d'une vie qui a été il y a 200-250 ans. Et c'est supposer, bien sûr, une cohérence au personnage, alors que dans une vie, énormément de choix sont des choix d'opportunités, des choix d'obligations, sont le fruit d'incertitudes levées petit à petit. Et ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de me placer dans le présent du passé. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous mettre, vous, futurs lecteurs, dans la tête du personnage, face à des situations de crise, face à des situations compliquées, sachant qu'il avait bien sûr de l'ambition, hein, il souhaitait être un savant de la fin de l'Ancien Régime. Alors je dis savant de la fin de l'Ancien Régime, mais lui-même ne savait pas qu'il s'agissait de la fin de l'Ancien Régime. Vous voyez, donc on reconstruit toujours les choses a posteriori. Il faut vraiment se méfier de nos nombreux biais, de nos nombreux filtres qui nous empêchent d'aller à la lecture des sources et de mener une interprétation des sources respectueuse du présent, du passé. Donc j'ai vraiment essayé de lire toutes les sources concernant la vie de Philippe-Frédéric de Dietrich. Effectivement, comme Marie l'a rappelé tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé aux archives de Dietrich au château de Reichshoffen, où en fait des trésors sont conservés. Par exemple, les très nombreux minutiers de la correspondance de Dietrich. Dietrich avait des secrétaires qui notaient dans les grands registres toutes les copies de lettres envoyées, expédiées à des amis et à des correspondants. Et cette correspondance est intégralement conservée pour la période 1786-1782. Et elle ne fait pas moins de 4500 pages. Donc j'ai passé auprès d'Henri de très nombreuses heures de lecture et ça nous permet de nous placer, le fait de disposer de très nombreuses sources, ça nous permet d'envisager un genre peut-être un peu plus exigeant qu'une biographie classique, cette fameuse biographie intellectuelle. Donc vous allez chercher à être dans les pas du personnage et... Oui, dans les pas. Dans les pas, dans l'esprit et face à ses nombreux choix, à tous les moments de bifurcation possibles dans sa vie, dans sa carrière, des instants qui auraient tout pu faire basculer, et j'ai essayé de me mettre dans son horizon d'attente à chaque fois. Et le livre est structuré autour de 9 chapitres qui donc sont des moments différents de la vie de Dietrich. 9 chapitres que j'ai rangés, que j'ai classés chronologiquement pour ne pas perdre le fil. Je les ai classés chronologiquement, mais ils permettent de faire le lien avec le chapitre précédent, le chapitre suivant. Donc c'est plutôt du tuilage que de la chronologie linéaire et conçue, comme si une vie écrite d'avance pouvait être saisie. Et ça, je tenais vraiment à ne pas commettre cette erreur. Alors, j'aime beaucoup cette expression, c'est de trouver le présent du passé qui vous a permis de casser ces clichés qu'on peut avoir en tant que chercheur. Et, cette méthode est vraiment très originale. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers? Alors oui, j'ai rencontré des obstacles particuliers et parfois des choses dont je ne me suis rendu compte qu'en toute fin de travail, qu'en toute fin d'écriture. Par exemple, ce que je prenais pour être l'écriture de Dietrich, parce que à force de voisiner au contact de ses sources, de ses archives, j'avais l'impression de le connaître. Très peu de temps avant ma soutenance, je me suis rendu compte que l'écriture que je prenais pour être la sienne était en fait pas son écriture, puisque j'ai retrouvé un document de 1800, donc 7 ans après sa mort, écrit par la même écriture. Donc ça ne pouvait pas être lui. En réalité, Dietrich avait un prête-main, quelqu'un de confiance qui était habilité à écrire à sa place. Et c'est donc cette écriture-là que je prenais pour la sienne. Et là, je me suis posé cette question, en fait, parce que j'ai lu, à la fin de ma thèse, un livre de Nicolas Shapira sur les maîtres et les secrétaires. Et effectivement, Dietrich avait un secrétariat de 6-7 personnes, un secrétaire allemand, plusieurs secrétaires français, des secrétaires spécialisés, puisqu'il avait une carrière multiforme, il était à la fois scientifique, il travaillait pour l'administration, on va dire, pour résumer, qu'il était haut fonctionnaire de la fin du règne de Louis XVI,
Il travaillait sur les mines, il travaillait sur les industries, il avait des contacts avec de nombreux scientifiques partout en Europe, et sa correspondance très nombreuse et très volumineuse, il ne pouvait pas la tenir lui tout seul. Et ce n'est donc que très très tardivement que j'ai découvert que ce que je prenais pour l'écriture de Dietrich n'était en fait pas l'écriture de Dietrich. Alors pour moi, c'était un choc. Mais ça m'a permis d'aller plus loin dans cette entreprise, de retrouver le présent du passé et de comprendre quelles étaient les habitudes de travail dans le petit bureau qui était le sien à Paris, autour de ses, autour de belles collections de minéralogie, puisqu'il était minéralogiste. Donc il avait le plus beau cabinet de minéralogie, et la bibliothèque de minéralogie en français et en allemand la plus fournie à l'époque de la fin de l'Ancien Régime. Et c'est 6 ou 7 personnes qui devaient travailler autour de lui, dont une personne qui imitait son écriture pour imiter la main de son maître. Alors pour les envois très très importants, pour les envois des personnes de qualité, par exemple écrire au comte d'Artois, le frère de Louis XVI, écrire à Lavoisier, écrire à Condorcet, là c'est son épouse, la baronne de Dietrich, qui a fait l'objet d'une biographie publiée par Elisabeth Mesmeritzke en 2018. C'est son épouse qui prenait la plume pour, pendant son absence, contacter les personnes de qualité qui devaient être contactées parce que des urgences nécessitaient ces correspondances. Je trouve ça toujours très fascinant d'entendre Daniel parler de son travail parce qu'à la fois on voit qu'il est devenu tellement proche de ce personnage qu'on parle souvent mieux que le personnage lui-même. Et c'est intéressant de voir aussi l'évolution et la découverte d'une méthode qu'il a dû mettre au point pour justement construire cet ouvrage. C'est que, voilà, c'est impressionnant. Et justement, alors, nous en libre après la méthode, Philippe-Frédéric de Dietrich, un entrepreneur des savoirs au XVIIIe siècle. Mais que veut dire entrepreneur des savoirs? Alors, j'ai tenté de résoudre une grande question. Tout le monde connaît la dynastie de Dietrich du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Combien de générations à la tête de l'entreprise, Henri? 10e génération à la tête de l'entreprise. Et le Dietrich le plus connu de la famille, en fait, n'a jamais été à la tête des établissements de Dietrich. Et je voulais vraiment questionner ce paradoxe. Comment se fait-il que le personnage le plus connu de la famille n'ait jamais été à la tête de l'entreprise? Famille connue pour ses succès dans le monde du capitalisme alsacien, et en réalité, notre Dietrich est un entrepreneur raté. En 1774-1775, son père lui confie une scierie abandonnée sur les hauteurs de Dinsbier, et Philippe-Frédéric de Dietrich, qui est un jeune savant, il a 24 ans à l'époque, souhaite monter une aciérie, parce que l'acier, c'est nouveau, les processus, les techniques de fabrication de l'acier ne sont absolument pas maîtrisées à l'époque, mais il a envie de tenter l'aventure, et effectivement, il se lance dans cette industrie en 1774. En fait, à cette époque-là, il se cherche une voie. Il a accompli une série de voyages en Europe, puisque vous savez que les jeunes aristocrates du XVIIIe siècle partaient parfois pendant 2 ans en grand tour. Il a voyagé en Hongrie, partout dans le Saint-Empire romain germanique, en Italie, en France et aussi en Angleterre, où il a accompli quelques missions d'espionnage industriel pour l'ambassadeur de France à Londres à l'époque. Et donc il a commencé à s'intéresser à cette question de la production de l'acier, puisque les Anglais étaient en avance sur bon nombre de ces procédés industriels. Et donc, de retour en Alsace, il se dit, je vais exploiter l'ensemble de mes savoirs sur la question et je vais me lancer dans cette entreprise. Et en réalité, Philippe-Frédéric de Dietrich n'avait aucune intention de devenir un grand industriel. Alors déjà parce que son père, Jean III de Dietrich, était le plus grand industriel de la France de la fin de l'Ancien Régime. Toutes les enquêtes le disent, hein, c'est le maître de forge le plus riche de France à cette période. Donc le créneau était déjà pris. Mais en réalité, Philippe-Frédéric de Dietrich a transformé cette toute petite aciérie en laboratoire grandeur nature. En fait, il y menait un grand nombre d'expérimentations pour stabiliser les procédés de fabrication de l'acier.
et il envoie des échantillons de ses aciers produits à divers marchands en France, en Allemagne, qui lui répondent qu'effectivement ces aciers sont d'excellente qualité, qu'on pourrait les utiliser pour l'horlogerie et pour d'autres fabrications. Mais au bout d'un an, notre homme n'a encore rien vendu. Et son père lui dit « Ça fait un an que je te laisse travailler, où sont nos commandes ?» Et en fait, Frédéric de Dietrich avait transformé cette aciérie en laboratoire, plus qu'en entreprise. Et son père lui coupe les vivres et lui demande de mettre un terme à cette tentative. Et tous les commentateurs, historiens, biographes qui s'étaient penchés auparavant sur Dietrich, notamment donc Gabriel Ramon, qui a publié en 1919 la dernière grande biographie de Philippe Frédéric de Dietrich, il y a eu énormément d'articles, énormément de notices qui ont été publiées, mais une biographie de Philippe Frédéric de Dietrich, la dernière, datée de 1919, on en fait une tous les siècles. Je pense que le rythme est assez positif. Et tous les biographes ont expliqué qu'en fait, Dietrich, déçu de son échec industriel, se serait donc lancé dans une carrière savante et aurait connu cette carrière de scientifique, membre de l'Académie des sciences, et plus tard, évidemment, politique, comme vous le savez. Et là, moi, je crois que ma méthodologie m'a permis de sortir de cette reconstruction actuelle de la vie de Dietrich. En fait, selon moi, c'est la thèse que je défends, Dietrich n'a jamais cessé d'être entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est un faiseur de projets. Et là, je vais citer un auteur protestant, un romancier protestant, Daniel Defoe, qui en 1697 publie « An Essay Upon Projects » où il explique ce qu'est un entrepreneur. Pour lui, c'est un faiseur de projets. Et Dietrich est un faiseur de projets. Alors il n'est plus à la tête d'une usine, d'une industrie, mais il est à la tête d'un bureau. Et il continue de multiplier les projets. Il en a 150 à la minute. Je ne sais pas comment il fait pour trier ses pensées. Il a eu une activité tellement protéiforme qu'il avait effectivement besoin d'un secrétariat pléthorique, ou presque pléthorique, pour pouvoir répondre à toutes ses sollicitations et à tous ses projets qu'il suivait. Il a été commissaire du roi pour les mines et les usines de France, donc il est allé à la rencontre de tous les entrepreneurs du pays. Il a fait 3 tournées nationales en 1784, 1785, 1786, et il a rencontré tous les faiseurs de projets de France. Il les a accompagnés dans leurs aventures, et des aventures souvent vouées à l'échec, puisqu'on estime que 4 entreprises sur 5, à la fin de l'Ancien Régime, sont vouées à la disparition, et il n'y a qu'un succès pour 5 entrepreneurs qui se lancent dans une aventure industrielle au XVIIIe siècle, et je pense que les chiffres, je ne connais pas les chiffres actuels, vous expliquez tout à l'heure que je vivais au XVIIIe siècle, je n'ai pas vérifié avant de venir quels étaient les chiffres du XXIe siècle, mais je crois que ce ratio peut toujours rester d'actualité. Ça montre bien aussi que les grands succès sont collectifs, beaucoup plus collectifs qu'on imagine. Vous savez, le mythe du self-made man, en réalité, c'est parce qu'avant soi, 5 ou 6 personnes ont échoué. En fait, on apprend des échecs des précédents, et c'est cet apprentissage-là qui permet à un chanceux de réussir. Parce que dans l'alignement des entreprises, il a été le 5e après les quatre échecs précédents. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment en contact. Alors là, plutôt des archives nationales que des archives de Dietrich, avec des très grands cartons de correspondances entretenues entre l'administration du roi et ses entrepreneurs de France qui veulent tour à tour être soutenus, défendus. Vous savez, on veut toujours être défendu par rapport à des concurrents. On veut la liberté pour soi et la protection vis-à-vis de concurrents. Et ça, ce sont des demandes très nombreuses qu'on retrouve aux archives nationales et que Dietrich a parfois accompagnées. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à présenter Dietrich comme un entrepreneur des savoirs, même s'il n'a plus été dans le monde, il n'a plus été à la tête d'une usine après 1774. Il a tant accompagné tous les faiseurs de projets de France qu'il est pour moi un entrepreneur du savoir. J'aime beaucoup cette expression « faiseur de projets ». Entrepreneur raté, non. Mais faiseur de projets, c'est... J'ai expliqué qu'on l'a souvent pris comme entrepreneur raté. Et c'est pour ça que j'ai essayé de montrer qu'en fait, non, il est un entrepreneur des savoirs. Il n'a jamais cessé d'être entrepreneur, différemment et autrement.
Et c'est cette quête du savoir et des savoirs où effectivement sa volonté d'être un faiseur de projets a été la plus éclatante. Donc le mot qui vous permet de le définir au mieux, ce sera celui d'un savant. Oui. Un savant qui a aussi cherché à finalement se faire reconnaître par ses pairs, qui a voulu avoir une carrière académique. Et vous avez parlé tout à l'heure du rapport à son père. A-t-il pu développer son individualité, son identité, son parcours personnel au sein d'une famille vouée à l'industrie? Est-ce qu'il a réellement pu se détacher, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il envisageait de se détacher? Alors effectivement, les rapports entre le père et le fils sont conflictuels. Des lettres effectivement assez remplies d'amertume. La brouille s'est installée notamment après l'épisode de 1774-75. Et Jean III de Dietrich à la fois estime que Philippe Frédéric de Dietrich doit lui succéder à la tête des établissements de la famille, et en même temps, Philippe Frédéric est parfois brouillé avec son père et donc essaye de tracer son propre chemin. Le fait d'être un Dietrich a indéniablement aidé Philippe Frédéric de Dietrich à faire carrière dans l'administration, parce qu'en fait, l'administration royale voulait utiliser sa réputation de bon fils de maître de forge pour aller à la rencontre des entrepreneurs français. Je m'explique, il existait déjà en France à l'époque des inspecteurs des manufactures, un certain nombre de fonctionnaires, hauts fonctionnaires, en circulation partout dans le royaume et qui venaient visiter toutes les mines, tous les établissements industriels de l'époque. Et parfois, ils trouvaient porte close parce que les industriels avaient très peur, tout simplement, d'accueillir ces représentants de l'administration royale dans leurs établissements par crainte de la fiscalité et parce qu'ils ne voulaient pas que leurs secrets de fabrication soient révélés. Et en fait, quand Dietrich se présente, effectivement, du côté du ministère, il est un agent de l'État, mais les entrepreneurs voient en lui le fils d'un maître de forge qui a réussi. Et il l'accepte plus volontiers, il l'accueille pour quelques jours. Souvent, Dietrich est invité à loger chez l'entrepreneur. Je raconte dans le livre sa visite à Amboise. Et la scierie d'Amboise est dirigée par les frères Sanche. Alors, les frères Sanche ont développé un tout nouveau projet, un tout nouveau procédé pour fabriquer de l'acier de très très bonne qualité qui devait éclipser les aciers anglais et les aciers allemands. Et en réalité, l'administration se rend compte qu'il y a des sons de cloche un peu contraires. Parfois, les aciers sont très bien jugés, parfois très mal. Donc, on envoie Dietrich sur place. Et Dietrich, sur place, se rend compte qu'effectivement, nos deux amis, nos deux entrepreneurs, avaient un petit peu anticipé les succès qu'ils croyaient pouvoir réaliser. Et en réalité, Dietrich passe quelques jours chez eux au château d'Amboise. Et c'est plus dans l'usine, mais une fois chez eux, que les frères Sanche révèlent à Dietrich le secret de fabrication nouveau. Et donc Dietrich a un rapport très positif en demandant à l'administration d'être complaisante et de patienter, de laisser ses frères continuer le développement de leur technique. Et je crois donc que Philippe Frédéric a pu occuper certaines places dans l'administration du roi, précisément parce qu'il était le fils de son père. À partir de 1786, tout change, puisque Philippe Frédéric de Dietrich est élu à l'Académie des sciences. Il publie un ouvrage, Les observations sur l'intérieur des montagnes, qui est une traduction d'un savant allemand qui s'appelle von Trebra. Et à partir de là, le regard de son père change, et son père lui écrit une lettre très émouvante, que nous avons également au château, en lui disant « J'ai bien reçu ton dernier livre, bientôt tu passeras pour l'un des plus grands savants d'Europe ». Et là, on sent quand même un peu de fierté de la part de Jean III de Dietrich, qui encore deux ou trois mois avant cet échange plutôt sympathique, lui disait « Oh là là, tes emplois dans l'administration, ça commence à bien faire, quand est-ce que tu vas te trouver une profession sérieuse ?» Et sous-entendu, quand est-ce que tu vas revenir en Alsace pour me succéder à la tête des établissements? Mais Philippe Frédéric de Dietrich n'a jamais succédé à son père, puisque Jean III de Dietrich meurt en 1794, c'est-à-dire
un an après son fils qui est guillotiné en décembre 1793. Donc on a l'impression que Dietrich a succédé à son père à un moment donné, mais ça n'a jamais pu avoir lieu puisque le père est mort après le fils. Donc il a un nom, une réputation familiale qui lui ont plutôt ouvert des portes et qui l'ont aidé dans cette administration royale. Mais les Dietrich ont aussi une grande famille protestante. Et vu le contexte politique du XVIIIe siècle, est-ce que cette appartenance confessionnelle a été un obstacle ou est-ce que ça a été quelque chose qui, justement, pour ses ambitions, a été un frein? Alors, le protestantisme français du XVIIIe siècle subit une très grande hypocrisie de la part de la monarchie française, puisqu'on est sous le régime de la révocation de l'édit de Nantes. Et donc le roi considère qu'il n'y a pas de protestants en France. Ça n'existe pas. Cependant, Louis XIV, c'est la conquête de l'Alsace. Et en Alsace, on a un très fort pourcentage de luthériens. Et à l'époque de Louis XV, c'est le grand historien du protestantisme, Henri Stoll, qui l'a raconté, l'administration a même le projet de déplacer tous les protestants de France en Alsace. De tous les protestants qui ne seraient pas partis en 1685, de déplacer tout le monde et d'implanter en Alsace tous ces protestants. Donc, l'Alsace aurait été une terre, un peu avec un privilège particulier, d'accueillir à la fois les catholiques et les protestants. On le sait, ce n'est qu'en 1787 que Louis XVI accorde aux protestants et aux juifs un état civil. Ça veut dire que jusqu'en 1787, un juif et un protestant n'a pas le droit de naître, de se marier, d'avoir des enfants et de mourir en France. On vit dans une très grande hypocrisie, puisque bien évidemment, beaucoup de protestants pratiquaient leur religion de manière dissimulée, clandestine. Et bien sûr, plus le XVIIIe siècle avance, plus la tolérance s'installe. Vous connaissez l'affaire du Chevalier de la Barre, l'affaire Calas, bien sûr. Et la mode est à la tolérance, et cet édit de 1787 vient sanctionner une évolution qui est bien sûr très très longue. Dès le milieu du XVIIIe siècle, Louis XV ne songe plus à persécuter les protestants. Il crée même une récompense militaire, l'ordre du mérite militaire, pour récompenser les militaires protestants qui auraient accompli des services pour le roi de France, d'ailleurs. Le maréchal de Saxe, qu'on connaît bien, est le premier récipiendaire de cette décoration. Et le père de Philippe-Frédéric de Dietrich a lui aussi eu cette médaille du mérite militaire. Mais quand Philippe-Frédéric est à Paris, cette médaille, il ne la porte pas avec un bandeau bleu, qui était le bandeau des médailles réservées aux protestants, il la porte avec un bandeau rouge, c'est-à-dire comme si c'était une médaille décernée à n'importe quel autre sujet du roi de France, parce qu'il n'a pas envie d'être marqué comme protestant. Et en 1785, il a l'ambition d'être élu à l'Académie des sciences. Aucun protestant n'avait jamais été élu à l'Académie des sciences. On avait déjà eu des correspondants de l'Académie des sciences qui étaient protestants. C'est normal, puisque les correspondants sont parfois étrangers, et le protestantisme est parfois la religion d'État de nombreux pays d'Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, on regarde les statuts de l'Académie, vous voyez, on vérifie fébrilement, est-ce que les protestants ont le droit d'être élus à l'Académie des sciences. Nulle part dans les statuts de l'Académie, il n'est indiqué qu'un protestant n'a pas le droit d'être élu. Mais après, certains font remarquer, oui, mais dans les statuts de l'Académie, on ne voit pas non plus une interdiction aux femmes d'accéder aux portes de l'Académie. Or, il serait complètement fou d'imaginer qu'une femme puisse devenir membre de l'Académie des sciences. Et donc, en 1785, il y a un dîner chez le baron de Macquarie avec le père de Philippe Frédéric et le marquis de Bombelles, donc quand même la noblesse et l'aristocratie éclairée de la fin du XVIIIe siècle, et le sujet arrive. Bon, là, il est peut-être temps que Philippe Frédéric, qui est déjà correspondant de l'Académie depuis plus de 10 ans, soit élu membre de l'Académie et se pose la question du protestantisme. Donc, on va consulter le ministre de la Maison du Roi, le baron de Breteuil, qui est le bras droit de Louis XVI, et le baron de Breteuil trouve qu'il est temps qu'un protestant entre pour la première fois à l'Académie des sciences. Donc on a la bénédiction de la part du gouvernement et du roi pour que cette élection puisse avoir lieu. Mais
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'Ancien Régime, avoir la protection du roi et être bien né, ça ne suffit pas pour être élu à l'Académie des sciences. Il faut vraiment être un bon savant, un bon scientifique. Et depuis la fin des années 1770, quand le pouvoir voulait privilégier une élection d'un de ses protégés qui pourrait éventuellement prendre la place d'un savant dont les mérites étaient reconnus, les académiciens vont à Versailles, font des pétitions et demandent l'annulation de cette nomination. Donc depuis la fin des années 1770, plus aucun nom de savant ne peut être élu à l'Académie des sciences. Et Philippe-Frédéric de Dietrich, il a un grand nombre de rivaux qui sont des savants avec beaucoup de mérite, et donc ses deux premières candidatures échouent. Et c'est finalement grâce au soutien de Lavoisier, en 1786, qu'il a finalement pu être élu. Mais il a dû d'abord poser sa candidature une première fois, ça n'a pas fonctionné, il était troisième, puis il a posé sa candidature une seconde fois, il était deuxième, donc logiquement, la fois suivante, il a été classé premier. Alors ce sont des logiques qu'on retrouve encore souvent aujourd'hui. Donc, le 18e siècle et le 21e, il y a un grand nombre de parallélismes envisageables. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est vraiment un peu lié en ce moment. C'était vraiment un peu. La renommée familiale lui a permis d'ouvrir certaines portes. Son ambition savante, sa volonté de découverte, de produire des projets, lui a permis aussi d'assurer, comment dire, son, justement l'évolution de son ambition, d'avancer dans ce parcours. On voit bien que c'est un personnage réellement hors du commun, même si on essaye de garder une certaine objectivité et tout, on a bien compris la méthode, mais quand même elle est intéressante. À travers ce livre, il y a notamment la question des voyages sur lesquels vous revenez, que vous avez déjà un peu évoqué. On voit que Philippe Frédéric a dû parcourir plusieurs régions dans le cadre de sa charge de commissaire du roi. Il parcourt la France, il rencontre différentes personnes, il cherche à découvrir au mieux tous les aspects de son industrie, il fait des inspections, des visites conseils. J'ai une question toute simple, comment voyageait-on à ce moment-là? Qu'est-ce que c'était que voyager au XVIIIe siècle en plus? Alors oui, très, très grande question. Voyager en France au XVIIIe siècle, alors déjà, les distances-temps ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. On met à peu près 5 jours pour faire Versailles-Strasbourg à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, on est à 11 jours. Hein, donc les routes ont été sensiblement améliorées. Le réseau routier français est l'un des meilleurs d'Europe. Le pire réseau routier à l'époque du XVIIIe siècle, c'est dans le Saint-Empire romain germanique. Vous savez que le Saint-Empire romain germanique est morcelé, il y a plein de petites principautés, et qui dit petite principauté dit réseau routier qui est à chaque fois conçu à l'échelle d'une toute petite principauté, mais quand on veut franchir de grandes distances, on n'a pas accès à un réseau routier bien développé. La France a fait beaucoup d'efforts. Je crois qu'à la fin de l'Ancien Régime, on est à peu près à 26 000 km de routes royales. Ce sont de très belles routes qui sont droites, entretenues, et sur lesquelles on peut particulièrement bien voyager. Alors, on voyage dans une voiture, tirée par des chevaux. Dietrich ne voyageait pas seul. Pour faire ses tournées, il était accompagné d'élèves de l'école des mines. L'école des mines est créée au tout début des années 1780. Et les élèves avaient une formation théorique de 6 mois dans l'année, et les 6 autres mois de l'année, le deuxième semestre, étaient consacrés à des voyages auprès d'administrateurs seniors. Et donc, Dietrich, qui était commissaire du roi à la visite des mines de France, était accompagné d'un élève de l'école des mines. À mon avis, à chacune de ses tournées, il était accompagné d'un autre élève des mines. Et Dietrich, bien sûr, a noué au cours de ses voyages des relations avec ses élèves, et il les a parfois fait nommer directeur de telle manufacture, de telle usine, puisque, bien sûr, il était au courant de quel poste était vacant. Et donc, quand on l'informait de la vacance d'un poste, l'élève des mines qui l'avait accompagné, il essayait de l'aider, de le placer, de le faire avancer dans sa carrière. Alors, les voyages, non pas en France, mais en Europe, là, c'est autre chose. Pour entreprendre un grand tour, ça nécessite énormément de moyens.
Dietrich a pu compter à peu près sur une allocation de 10 000 livres annuels que son père lui versait avec beaucoup de générosité. Et grâce à cette somme, il avait la possibilité d'entreprendre de très grands voyages. Et je me suis amusé à calculer l'âge moyen de départ en voyage, la durée du voyage de Dietrich. Et c'est vrai qu'il a fait un voyage qui était sensiblement plus long, un voyage, un grand tour, sensiblement plus long. Et lui était plus jeune au moment où il l'a accompli que d'autres voyageurs qui s'intéressent au même sujet que lui. Dietrich fait vraiment un grand tour aristocratique. Ce qu'il faut aussi rappeler, enfin j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Dietrich n'est pas né noble. Son père était bourgeois, négociant, banquier. Mais en 1761, la famille est anoblie par Louis XV. Et Dietrich a 13 ans au moment où son père est anobli. Donc il n'est pas né noble. Il l'est devenu lorsque son père a été anobli. Et donc son grand tour en Europe, c'est une manière d'expliquer aux yeux du monde qu'il appartient désormais à cette nouvelle classe sociale, celle de l'aristocratie, car seuls les aristocrates peuvent, pendant 2 ans, parcourir les routes de l'Europe et passer 1 an en Italie pour voir les trésors de l'Antiquité, à Pompéi, à Herculanum. Dietrich va jusqu'à Naples, hein, où il est reçu par Hamilton, l'ambassadeur britannique, qui l'aurait emmené découvrir un grand nombre de vestiges anciens. Et Dietrich, en réalité, quand il est en Italie, les musées, les œuvres d'art, ça l'intéresse beaucoup moins que tous les aristocrates en grand tour. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire naturelle. Et il développe en Italie un goût pour l'histoire naturelle. Il rencontre de nombreux savants dans leur cabinet d'histoire naturelle. Alors parfois, ces rencontres sont facilitées parce que Dietrich est franc-maçon et il est porteur d'un diplôme maçonnique qui lui permet en Italie d'être reçu par la bonne société qui est également franc-maçon. Et grâce à ces diplômes maçonniques, Dietrich peut être reçu dans les cabinets de tous les grands savants des grandes villes italiennes qu'il traverse. Et on a la trace de quelques-uns de ses contacts. Et c'est grâce à ces voyages que sa vocation de minéralogiste semble être née entre 22, 23 et 24 ans. Quand on lit l'ouvrage, on se rend bien compte que cette question des voyages est quand même très aventureuse. Une description complète de ce qu'est l'expérience du voyage qui est épuisante. On se rend bien que voyager au XVIIIe siècle est quelque chose qui est long, qui est éprouvant, qui peut transporter du matériel. Il y a vraiment différents éléments très, très prenants et qui devaient être une organisation complète. Si par période de plusieurs semaines à chaque fois. C'est ça, toujours pour une tournée de 6 mois. Et avant son départ, il donnait à l'administration son itinéraire et on avait donc la possibilité de lui envoyer du courrier en poste restante. Et en fonction du planning de voyage qu'il donnait à l'administration, on pouvait lui écrire. Alors on sait qu'il sera à Bordeaux en novembre, à Toulouse en décembre, et donc les correspondants lui écrivent sur ces différents lieux de tournée. Et lorsqu'il arrive effectivement sur le lieu de cette tournée, il découvre les lettres que tous ses correspondants avaient envie de lui écrire. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre un agent ambulant de l'État royal de la fin du XVIIIe siècle. Alors, je ne sais plus où, mais vous avez produit une carte justement qui reprenait ces différents voyages. Tout à fait. C'est dans le chapitre 4. Très mauvaise. Le chapitre 4 sur une tournée de Philippe Léry. Pardon, vous pourrez feuilleter. Je suis très mal préparé. Donc, c'était un personnage qui fait des expériences en laboratoire, qui passe plusieurs mois d'année à aller inspecter, rencontrer les gens, etc., qui est académicien, qui s'intéresse à l'histoire naturelle, donc vraiment le portrait du savant du XVIIIe siècle, le savant complet, mais est-ce qu'il avait une spécialité dans tout cela? Alors sa spécialité est et reste la minéralogie. C'est la science qu'il s'est choisie. Alors je ne peux pas parler de discipline, parce que les disciplines ne sont pas aussi... les frontières entre disciplines qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'au XVIIIe siècle. Philippe Frédéric de Dietrich s'intéresse au règne minéral. Et c'est vrai qu'on a souvent présenté ses travaux. Il s'intéresse à la géologie, à la vulcanologie, à la chimie,
à la médecine, mais en fait... Oui, voilà. Et en fait... J'ai appris un mot, la phlogistique. Oui, c'est ça, c'est la théorie du phlogistique. En fait, on est dans une période où la chimie est en pleine transformation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les frontières de la chimie d'aujourd'hui ne sont pas les frontières de la chimie de l'époque, mais la chimie est en pleine transformation, puisque à partir des années 1770, on commence à se douter de l'existence de l'oxygène. Et avant les années 1770, on ne connaît pas l'oxygène, on ne sait pas que c'est un élément. Et pour expliquer les phénomènes de la nature et les essais en laboratoire, on invente, on essaye de donner des explications qui sont fondées dans ce qu'on appelle le modèle du phlogistique, c'est-à-dire qu'on pense qu'il existe une sorte de fluide d'énergie vitale qui saute de produit en produit et qui explique les combustions, les transformations qu'on peut observer à l'épreuve du creuset, ou alors dans les usines aussi, hein, puisqu'on peut faire aussi des expériences en grand. Et beaucoup de savants ont toute leur vie travaillé dans ce schéma du phlogistique, de l'existence du phlogistique. Et puis un jour, il y a quelques chimistes anglais et Lavoisier qui nous expliquent qu'en fait, le phlogistique, c'est du grand n'importe quoi, que ça n'existe pas. En fait, il y a un élément qui s'appelle le principe oxygène, c'est le premier nom de l'oxygène, puis l'oxygène, donc l'élément O, qui entre dans un grand nombre de transformations, chimiques. C'est la nouvelle chimie. Mais pour beaucoup de savants de l'époque de Dietrich, on est face à un terrible dilemme. Est-ce qu'on abandonne le schéma qui a été le sien pendant tant d'années? Parfois, on a consacré 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de recherche en expliquant tous les résultats de ces expériences avec le schéma du phlogistique. Est-ce qu'on est prêt à abandonner tout ça? Et à franchir le pas et à accompagner Lavoisier dans la mise en place de cette nouvelle chimie. Et Dietrich a été l'un de ces Français qui a cru que la chimie allait pouvoir révolutionner un grand nombre de disciplines, y compris la minéralogie. Donc en fait, c'est en chimie, c'est en minéralogiste que Dietrich s'est intéressé à la chimie et qu'il a rejoint le groupe de l'Arsenal aux côtés de Lavoisier pour accompagner la structuration et le triomphe de cette nouvelle chimie. Il faut savoir que Lavoisier a de grands ennemis au XVIIIe siècle, dans les années 1780. La publication des éléments de chimie, c'est 1789. Et ce n'est qu'à cette période-là que vraiment on peut penser qu'on assiste au triomphe de la nouvelle chimie de Lavoisier. Mais avant 1789, Lavoisier est souvent mis en difficulté par des confrères qui ne sont pas d'accord avec ses thèses. Et ce que Dietrich a essayé de faire, c'est qu'il a traduit des travaux de savants suédois qui n'auraient pas été en contact avec les savants britanniques ou avec Lavoisier lui-même, qui auraient mené leurs propres travaux, et dont les conclusions allaient dans le sens de Lavoisier. Il a traduit ses ouvrages de l'allemand au français pour appuyer les changements et transformations que Lavoisier avait envie de promouvoir. Voilà. Donc la réponse à la question, pardon, je suis toujours de très longue digression, mais je vais revenir à votre question. Donc, discipline principale de la minéralogie, et quand Dietrich s'intéresse à la chimie, c'est en minéralogiste qu'il s'intéresse à la chimie, puisqu'il attend de la chimie des progrès qui vont lui permettre d'être un meilleur minéralogiste. Par exemple, il y a des questions non tranchées en minéralogie, et les méthodes et les sciences auxiliaires de la minéralogie de l'époque n'arrive pas à trancher un grand nombre de questions. Donc, Dietrich espère que la chimie va bientôt pouvoir procurer des solutions pour trancher certaines des questions de la minéralogie. Et quand je dis « va pouvoir », je suis bien dans le présent du passé, puisque je me mets dans la perspective d'un Dietrich qui a envie de découvrir un certain nombre de choses, de prouver un certain nombre de choses, mais son horizon est bloqué. Et donc, il espère que la chimie va lui procurer les méthodes, les outils pour avancer dans sa propre science, la minéralogie, même si je maintiens cet avertissement. On ne peut pas parler de sciences constituées comme on peut les connaître aujourd'hui. Les frontières entre les différentes disciplines scientifiques ne sont pas les mêmes au XVIIIe siècle et aujourd'hui. C'est pour ça que le schéma que je vous présente est peut-être un peu caricatural. Mais je crois que c'est important de dire que c'est en minéralogiste que Dietrich s'est intéressé à la chimie. D'accord.
Vous avez cité un nom déjà plusieurs fois, c'est celui de Lavoisier. Ça me permet de poser la question plutôt de l'entourage du personnage. Vous l'avez vu évoluer dans différents milieux, l'administration, l'académie, etc. Est-ce qu'il y rencontre des amis? Est-ce qu'il y a des appuis ou des collègues avec qui il peut effectivement partager des points de vue? Quelles sont ses amitiés? Voilà. Alors effectivement, Dietrich peut compter sur, sur un grand nombre d'amis. Alors le duc de la Rochefoucauld fait partie de ses amis, donc c'est un de ses contacts, un de ses soutiens à l'époque de la Révolution. Condorcet fait partie de son cercle amical. Dietrich et Condorcet ont fréquenté les mêmes salons, les mêmes lieux du Paris des années 1780. Dietrich a accompagné Condorcet à la Société des Amis des Noirs, qui militait pour l'abolition de l'esclavage. Dietrich était donc avec Lavoisier le soir, en société, l'après-midi à l'académie, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Et souvent, quand deux savants passent beaucoup de temps ensemble, ils ne laissent aucune trace, puisque quand on passe du temps ensemble, on n'a pas besoin de s'écrire. Donc pour les historiens, c'est un drame que les amis se voient trop souvent, parce que nous n'avons aucune source, aucune trace de cette amitié. Donc, j'ai envie de dire, fort heureusement, Dietrich a été nommé prêteur royal de la ville de Strasbourg, puis élu maire de Strasbourg, et donc l'éloignement entre Paris et Strasbourg a généré une correspondance très importante entre Dietrich et Condorcet. Et ce que je peux dire, c'est que c'est l'une des correspondances de Condorcet les mieux conservées. Parce que Condorcet était un grand homme d'État, aussi un grand journaliste, après avoir été un très grand savant, enfin il n'a jamais cessé d'être un très grand savant, très grand mathématicien. Et Condorcet avait de très nombreux correspondants, mais il prenait l'habitude de brûler toutes les lettres. Donc nous n'avons que très très peu de traces de la correspondance de Condorcet, puisque on peut imaginer son bureau surchargé de papier, il brûlait tout. Mais le secrétaire dont je vous parlais tout à l'heure de Dietrich notait précieusement toutes les lettres envoyées à tous ses correspondants, illustres ou moins illustres, et donc nous avons toutes les lettres que Dietrich a envoyées à Condorcet entre 1786 et 1792, y compris même encore très tardivement en 1792, quand Dietrich et Condorcet n'ont plus les mêmes opinions politiques. En fait, ils ont eu les mêmes opinions politiques pendant très longtemps. Et en 1791 arrive l'événement de la fuite du roi qui est stoppé à Varennes, et Dietrich, qui a fait toute sa carrière dans l'administration du roi, reste malgré Varennes un monarchiste constitutionnel, alors que Condorcet passe du côté du républicanisme. Et il continue de s'écrire, il continue de s'estimer, de s'apprécier, mais c'est vrai qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde politique à partir de 1780. Par contre, je crois que l'ami le plus fidèle et le plus illustre de Dietrich, alors il a beaucoup d'amis qui ne sont pas illustres, hein, je prends l'exemple du chevalier de la Chabossière, qui est directeur des mines de la Bigorre, et ils s'écrivent quasiment tous les jours. Ils s'écrivent sur des sujets de minéralogie, sciences des mines, exploitation minière, ils s'écrivent tous les jours. Mais l'ami le plus illustre, celui que vous connaissez très certainement, c'est Lafayette. Lafayette est l'ami, le confident de Philippe-Frédéric de Dietrich. D'ailleurs, on en a l'incertitude. Lafayette ne s'est jamais remis de la disparition de Philippe-Frédéric de Dietrich. On raconte que dans son château normand, il avait fait installer dans sa bibliothèque, dans son lieu de travail, 5 portraits, donc George Washington, Benjamin Franklin, enfin des grands révolutionnaires, et Dietrich. Donc c'est bien la preuve de cette amitié très très forte qui les a réunis, et malheureusement aussi pour Lafayette, séparés en 1793. Lafayette a survécu à la Révolution, il est mort en 1834 ou 36, ça y est, ma mémoire flanche, vous vérifierez. En tout cas, très longtemps après Dietrich, alors qu'il faisait partie de la même génération. On l'oublie peut-être un peu souvent, mais Dietrich a été guillotiné à l'âge de 45 ans, et Lafayette a eu la chance de survivre à la Révolution et a pu continuer sa carrière. Il a fait, vous savez, des tournées en Amérique hein, dans les années 1820-1830 pour être acclamé en héros de l'indépendance américaine. Donc il a pu avoir une deuxième vie après la Révolution, mais Dietrich n'a pas eu cette chance.
Alors laissons la Révolution pour la fin, mais peut-être que mon premier jour de Strasbourg a peut-être quand même évoqué ce moment de 1790 où il est élu maire de Strasbourg. Est-ce que là c'est un choix qu'il fait d'abandonner la vie scientifique ou la recherche et sa petite carrière académicienne et il s'oriente clairement vers la politique? Alors, quand il est en chemin, quand il quitte Paris pour regagner Strasbourg, il écrit une courte lettre en expliquant « Malheureusement, pour mon goût pour les sciences, j'ai été élu maire de Strasbourg. » Et donc c'est lui-même qui a présenté cette opposition entre deux carrières, hein, la carrière scientifique et la carrière politique. Mais en réalité, si je regarde ce qu'ont fait Condorcet ou Lavoisier et Condorcet ont fait de très nombreux projets, ont rédigé de très nombreux projets portant des réformes politiques. Lavoisier, vous savez, est finalement un des grands théoriciens de ce que devrait être l'éducation nationale. Donc, Lavoisier a été un mathématicien, hein, c'était son domaine, son champ de recherche, son domaine de savoir. Mais quand on a cette réputation scientifique, on est à même de pouvoir proposer des projets de réforme et donc d'entrer dans le monde de la politique. Et à l'époque de la Révolution, un grand nombre de décisions sont en fait légitimées par le savoir scientifique. Donc en fait, cette opposition monde politique, monde savant, il ne faut pas y croire. En fait, Dietrich a voulu écrire à ses correspondants « J'ai été élu maire de Strasbourg, donc je vais avoir moins de temps pour mes activités scientifiques ». Effectivement, c'est vrai. Il était contributeur, il écrivait des articles pour les Annales de Chimie, il écrivait des articles pour une revue allemande, la revue de la Bärbock-Bunde. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup moins de temps à partir de 1790. Alors il a tenté de former son fils, Jean-Albert Frédéric de Dietrich, pour continuer de contribuer aux Annales de Chimie à sa place. Mais l'expérience a tourné court, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir de 1789-1790, plus personne n'en a rien à faire des sciences. Les scientifiques qui veulent publier des livres ne trouvent plus d'imprimeurs. Parce qu'en fait, les imprimeurs sont pris d'assaut par ceux qui écrivent des traités politiques. Et en fait, on s'intéresse à la question politique. Ou aux questions politiques, l'Assemblée nationale, les dernières lois, les propositions, les projets. Et les scientifiques ont beaucoup de mal à faire paraître leurs livres à partir de 1789. Voilà, donc opposition à relativiser. Bon, alors même si on est dans une méthode originale et qu'on essaye de prendre les choses autrement qu'avec nos a priori, on va quand même terminer par la fin. Il est resté monarchiste, alors un monarchiste constitutionnel, alors que finalement son épouse et son fils ont pris plutôt le parti de la République. Voilà, vous avez déjà évoqué 1793 à plusieurs reprises. Il est mis en accusation en 1792, pourquoi ? Alors, il est mis en accusation parce qu'il publie une adresse qui appelle les Strasbourgeois à rester fidèles au roi en 1792. Sauf que entre Paris et Strasbourg, il faut 5 jours de voyage. Et lorsque Dietrich publie cette adresse, en réalité, le roi est déjà tombé en 1792, à l'été 1792. Donc, en fait, il commet là une maladresse. Et il est effectivement mis en accusation, il prend la direction de Paris pour essayer, pour tenter de se justifier, mais en chemin, il aurait rencontré des amis, notamment des connaissances communes entre lui et Condorcet, qui auraient réussi à l'en dissuader. Et donc il a fait le choix, peut-être entre Bitche et Sarreguemines, d'après les informations que nous détenons, il a fait le choix de passer en Allemagne, et de sortir du royaume de France, du royaume de France qui n'était plus un royaume, de la République qui n'était pas encore proclamée, mais la République. Et il va à Francfort pour réunir un petit peu d'argent, et il va ensuite se réfugier en Suisse, dans sa belle famille. Et auprès de sa belle famille, il tente de réunir des éléments pour se défendre. Et lorsqu'il pense avoir suffisamment d'éléments pour être défendu, il passe la frontière entre Bâle et Saint-Louis et il se rend aux autorités françaises. Il est jugé à Besançon, puisque
que le gouvernement estime qu'à Strasbourg, il aurait beaucoup trop de partisans. Et jugé à Besançon, il est acquitté. Donc il a réussi à prouver sa bonne foi. Sauf que Robespierre est très mécontent de cet acquittement, et donc le refait traduire, fait retraduire devant l'autre tribunal révolutionnaire, celui de Paris cette fois-ci, et là, il est condamné à la guillotine. Alors effectivement, ça a suscité des tensions intrafamiliales. Son fils était plus républicain que Dietrich. Son épouse, qui était d'origine suisse, grande lectrice de Rousseau, était aussi plus républicaine que son mari. D'ailleurs, on le lit bien dans la biographie d'Elisabeth Mesmeritzke. Et en 1790, Jean-Albert Frédéric de Dietrich, donc le fils de... Je dis non Dietrich, mais c'est plutôt le Dietrich de Henri, moi. C'est lui qui a la chance d'avoir Philippe Frédéric dans son arbre généalogique. Jean-Albert Frédéric de Dietrich participe à la fête de la Fédération. Vous savez, cette grande cérémonie, cette grande mise en scène parisienne en 1790, 14 juillet 1790, pour fêter le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Et au moment de cette fête de la Fédération, il y a un défilé de tous les gardes nationaux. Jean-Albert Frédéric de Dietrich était garde national du Bas-Rhin. Et donc, on défile devant le roi prête serment en disant que désormais, il respecte les libertés, la nouvelle constitution en train d'être écrite, et tout le monde croit à la réconciliation des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires. On pense que Louis XVI est devenu le roi de la Révolution. Et on pense que ça y est, c'est bon, la Révolution est terminée, on a eu l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la mise en route de l'écriture d'une nouvelle constitution, que le roi accepte, et que même Marie-Antoinette accepte. Donc, tout va bien. Et Jean-Albert Frédéric de Dietrich participe à cette journée en compagnie de Condorcet, en compagnie de quelques-uns de leurs amis communs. Et lorsque c'est son tour de défiler devant Louis XVI, il jette un œil sur la famille royale et il ne croit absolument pas en cette mascarade. Il ne croit absolument pas en cette mascarade et il écrit à sa famille en disant quand même, je ne crois pas en la sincérité du roi. Alors il faut dire aussi que cette journée était pénible, puisqu'il a plu vraiment de manière extrêmement abondante. Donc surtout les tableaux de cette fête de la Fédération, on voit finalement une belle journée ensoleillée, mais sur d'autres tableaux, on voit bien qu'il a beaucoup plu, et on essaie juste de mettre un petit soleil apparaître derrière de gros nuages chargés d'orage. En tout cas, rien n'était symboliquement positif ce jour-là, au moment de la fête de la Fédération. Mais Dietrich, au contraire de sa femme et de son fils, a toujours été fidèle à Louis XVI, toujours été fidèle à l'administration royale. Je pense qu'il a été en mesure d'adopter ce schéma nouveau Lavoisien, celui de la nouvelle chimie, mais il a peut-être un peu insuffisamment anticipé un changement de paradigme dans le domaine politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette description. Alors, voilà, ce Dietrich aura rempli cette année de votre vie de manière très dense. Pour moi, et j'espère pour vous aussi, c'est quand même passionnant de pouvoir voyager dans ce 18e siècle où on parcourt des paysages, où on rencontre des personnages, on voit, en fait, on découvre ce Dietrich et finalement, c'est certainement aussi à donner cher à ce personnage, ce qui est le propre des grands historiens. Donc, merci. Il y a des questions. Henri, la première question. Ouais, je voulais juste remercier Daniel au nom de l'association de Dietrich, hein, dire que dans la famille de Dietrich, on est tous ignares, et grâce à Daniel, on est un peu moins. Donc ça, il a été extraordinaire, qu'il a réussi à faire connaître un Alsacien à Paris. Hein. Nous avons eu une très belle réception à l'École des Mines il y a quelques temps. Il a réussi à faire publier sa thèse à Paris par l'École des Mines. Et donc, merci Daniel. Et je voulais juste rappeler que Philippe Frédéric a passionné beaucoup de personnes, hein, dont un de mes oncles, Édouard Schlesing, qui aimait beaucoup la politique, hein, qui, avec le doyen Livet, avait demandé à Hélène Georges-Herbock de travailler sur nos archives. Je tiens à saluer la fille d'Hélène Georges-Herbock qui est là et qui a aussi beaucoup travaillé sur les archives. Et donc c'est une longue histoire dont votre thèse est un aboutissement extraordinaire. Voilà,
Merci, c'est une belle aventure, je trouve, où à la fois d'un côté on a une famille qui a essayé de garder quelques archives, hein, et d'autre côté un historien qui a fait un travail remarquable. Merci. Monsieur. Oui. Vous avez expliqué qu'il y avait donc à l'époque les savants à l'Académie des sciences et les entrepreneurs qui visitaient les mines et tout ça, mais est-ce que cette carrière d'entrepreneur des savoirs, c'était quelque chose qui existait, il y avait quand même d'autres personnes que lui, ou il n'était cette carrière entre les deux, on va dire, était exceptionnelle pour l'époque ou pas ou... Alors, elle est exceptionnelle à certains égards et commune à d'autres agents. Je ne peux vous répondre que de manière mesurée et en essayant de tenir un certain équilibre. En fait, il existait déjà 5 inspecteurs des mines qui effectuaient les mêmes parcours que lui. Mais en le nommant commissaire du roi, l'administration avait l'espoir qu'il parvienne à obtenir des informations que les autres inspecteurs des mines n'obtiendraient pas parce qu'ils avaient le titre d'inspecteur en mine en chef. Et donc avaient la réputation ou étaient considérés par ceux qui les accueillaient comme l'œil et le compas du roi. Et donc Dietrich avait peut-être, en raison de son appartenance sociale, la possibilité de gagner la confiance des entrepreneurs, de gagner davantage la confiance des entrepreneurs. En fait, Dietrich se plaint de ne pas avoir dans l'administration un poste suffisamment honorifique, suffisamment... Il dit « je suis un agent ambulant » et sans cesse hors d'œuvre. J'ai mis du temps à comprendre cette expression. Hors d'œuvre. Parce qu'en fait, il attendait que le gouvernement lui confie une nouvelle tournée. Donc, de temps en temps, il attendait chez lui que le gouvernement lui donne un ordre nouveau. Et finalement, lorsqu'il rend ses rapports, il sait très bien que d'autres inspecteurs des mines, d'inspecteurs des manufactures, sont venus avant lui et viendront après lui visiter le même établissement. Mais parfois, c'est le fait qu'il y ait plusieurs regards sur une même difficulté qui permet de les résoudre. Et en cela, Dietrich permet à l'administration de poser une pluralité de regards sur les situations concrètes qu'on rencontre dans la France de cette période. Et je pense que grâce à ces tournées, Dietrich a un aperçu extrêmement fidèle de ce qu'est la réalité de l'économie française à la veille de la Révolution. Je pense d'ailleurs qu'il est celui qui a le regard le plus en surplomb sur l'ensemble de ces questions, surtout bien sûr la production, le monde des mines et le monde de la forge. Mais en 1788, par exemple, on lui confie une enquête sur le monde de la forge, pas simplement le long de ses tournées, lorsqu'il effectue des tournées, mais vraiment, il fait une enquête nationale, et cette enquête nationale le conduit à avoir vers lui des données qui parviennent de toutes les généralités du royaume de France, et il est à même de pouvoir additionner les choses, de pouvoir estimer les chiffres qui parfois lui manquent, parce que toutes les données ne lui parviennent pas suffisamment à temps. Et donc, en 1788, par exemple, le gouvernement lui confie cette mission. Donc, si on lui confie cette mission, c'est sans doute qu'on estime qu'il est en capacité de l'assumer. Oui, c'est vraiment, vous avez utilisé l'expression « agent ambulant », il est en fait dans plusieurs domaines. Et c'est un peu l'expression qui pourrait le définir. Et lui-même considère que c'est... il considère qu'il mérite mieux. Il considère qu'il pourrait être... premier commis département des mines, il considère qu'il pourrait être inspecteur de manufacture, et en réalité, ce sont des postes auxquels il ne parvient jamais. Lorsqu'il est maire de Strasbourg, il est tenté par la politique nationale à 2 reprises. On imagine qu'il pourrait être ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ça n'aboutit jamais. Donc il est persuadé de mériter mieux, mais en fait, je pense qu'au poste qu'il a occupé, ces postes un petit peu... intermittent entre 2 administrations, pas avec le titre officiel, mais effectuant des missions très proches de ceux des inspecteurs des mines, j'ai l'impression qu'en fait l'administration comptait beaucoup sur lui et imaginait qu'il serait capable de drainer un grand nombre de données, de savoir vers Paris
grâce à ce côté un peu insoupçonné, puisque on avait l'impression qu'il était finalement le fils du maître de forge en goguette, en voyage, qui rencontre de manière tout à fait légère des collègues, des amis, et qui avait donc tendance à davantage lui confier peut-être leurs secrets et la réalité du succès ou des difficultés rencontrées dans leur entreprise. J'aurais une question sur les langues. À l'époque, la pratique des langues que nous connaissons aujourd'hui est différente. Hein, et vous avez donné un bel aperçu de comment ça se passe à l'époque sur différents plans. Comment ça se passe du point de vue linguistique? Quelle est sa langue de formation et quelles sont les langues qu'il pratique et comment ces langues correspondent-elles entre elles? Alors, puis Frédéric de Dietrich a reçu une éducation secondaire au gymnase protestant de Strasbourg, où on pratiquait beaucoup le latin, hein, mais l'allemand et le français également. Sa thèse, sa dissertation de licence et sa thèse sont écrites en latin, mais dans ses textes, il cite déjà beaucoup de passages en français et en allemand, et il compare énormément le droit français, le droit germanique. Donc il y a peut-être déjà en germe, dans ses travaux universitaires, la volonté de faire communiquer deux espaces sociolinguistiques, le Saint-Empire romain germanique et la France. Et les entreprises de traduction dont je parlais tout à l'heure ont bien sûr accrédité cette idée qu'on pouvait se faire en découvrant ses travaux universitaires. Alors Dietrich est un très 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 bon germaniste à l'oral. Quand il voyage à l'étranger, il arrive à se faire passer pour un Allemand. D'ailleurs, ça suscite quelques... Comment dirais-je, ça me permet de vous raconter une anecdote. Lorsqu'il est en 1782 à Hambourg, en voyage, il est reçu par la bonne société de la ville, notamment par la comtesse de Bentinck, qui est une amie correspondante de Voltaire. Et chez la comtesse de Bentinck se trouve également un diplomate britannique qui avait été nommé, je crois, à Saint-Pétersbourg et qui était en chemin pour rentrer à Londres et qui s'arrête également à Hambourg et qui est reçu dans le même salon que Dietrich. Et au cours de ce dîner, donc, Lord Montaigu, le neveu de Lord Sandwich, qui a donné son nom à l'Anka que vous connaissez tous, Lord Sandwich commence à déblatérer, critiquer la France, les Français, et Dietrich, en fait, attise ce discours, fait semblant d'être allemand, et puis, au cours du dîner, révèle son identité de Français et provoque en duel le neveu de Lord Sandwich. Donc, les deux jeunes aristocrates descendent dans la rue devant la comtesse. Alors, la comtesse... s'évanouit, il faut lui apporter des sels, le scandale chez elle, c'est très mal vu. Et dans la rue, il y a deux, voire trois espions qui envoient au ministre des Affaires étrangères des rapports sur cet incident. Et donc, aux archives de la Courneuve, que tu connais bien, que tu as beaucoup fréquenté, les archives du ministère des Affaires étrangères, on a trois rapports. De personnes dont l'identité n'est pas forcément toujours connue, mais qui décrivent cet événement. Donc Dietrich aurait blessé Lord Sandwich à l'épaule. Oui, alors il s'appelle Montaigu, mais c'est le neveu de Lord Sandwich. Donc il n'a pas encore le titre de son nom. Mais les deux sont utilisés. Et donc Dietrich blesse Lord Montaigu, couvrant ainsi la supériorité française, bien sûr. Et le petit bout, le fil de l'épée, ensuite montré dans toute la bonne société en bourgeoise en disant « Regardez, c'est le petit bout de métal qui est le témoin de ce duel. » Et finalement, Dietrich et Lord Sandwich, Montaigu, neveu de Lord Sandwich, se réconcilient, se serrent dans les bras l'un de l'autre. Et donc on assiste dans les jours qui suivent à une scène de réconciliation. Mais Dietrich a voulu laver l'honneur de la France à Hambourg en se faisant au préalable passer pour un Allemand. Donc ça veut dire qu'il avait une maîtrise
de la langue suffisante pour ne pas être soupçonné. En revanche, lorsqu'il passe à l'écrit, il demande à des amis et des correspondants de le corriger parfois. Je pense notamment à Schreiber, qui est un spécialiste de l'art de l'exploitation minière, à qui on confie des exploitations minières en France, mais qui est d'origine germanique, et qui souvent lui lit ses travaux, lui corrige ses travaux. Et quand il lui arrive d'envoyer un article à publier dans une revue allemande, il demande à son correspondant allemand de jeter un œil à son travail et de corriger d'éventuels fautes de style. Donc il est très bon germaniste à l'oral et plutôt bon germaniste à l'écrit, même s'il a besoin de quelques relecteurs pour corriger les inévitables fautes de style quand on n'est pas locuteur natif. J'espère que j'ai répondu en partie à votre question.